Donc j'ai commencé la musique assez tôt en famille. Et donc j'ai joué pas mal de musique dite classique et de musique ancienne. Et assez tôt, j'ai commencé aussi à jouer avec mes amis plein d'autres styles et de musique. Et à un moment donné, j'ai décidé de me diriger vers le jazz. Surtout parce que j'étais fasciné par l'improvisation. Aujourd'hui, donc, on a été invité par le Gamut Festival pour présenter le futur livre qu'on va publier, Jean-Luc Guillonnet et moi-même. On leur a proposé d'organiser une discussion autour de l'improvisation, de la musique improvisée contemporaine. C'est-à-dire que Jean-Luc Guillonnet et moi-même, on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années, surtout dans des contextes de musique improvisée. Et comment se passait une improvisation musicale, comment les gens prenaient des décisions, la décision de jouer tel son à tel moment plutôt que tel autre à tel autre moment. Et à force, c'est devenu une sorte de discussion régulière à long terme. Et du coup, on a décidé de faire une sorte de montage, une sorte de table ronde virtuelle. Et quand on a fini de faire tout ça, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le publier. Et là, on a trouvé un éditeur. Le contenu de l'idée de Get Going, qui est donc de permettre à des musiciens, à des compositeurs, de poursuivre leurs activités avec un peu plus de moyens, de faire en quelque sorte une résidence itinérante. C'est comme ça que j'ai appelé mon projet. Donc j'ai été à Berlin plusieurs fois, j'ai été en Espagne, au Portugal, en Italie, à différents endroits en Suisse, en France, en Angleterre. Soit rencontrer des musiciens que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer, soit pour travailler sur des compositions avec un interprète, soit pour enregistrer un projet qui est en train de se faire, etc. Thanks very much.